Hello mes chers béliers, j'espère que vous allez bien, que l'année a bien débuté pour vous, pour votre famille. On va mettre un peu d'encens là. Alors on commence avec l'oracle des déesses pour voir la déesse pour le mois de février qui vous représente. Je représente cette énergie pour les béliers, s'il vous plaît. Quel est le message pour les béliers pour le mois de février? La Vesta foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Ah! C'est beau, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la famille. Il y a du changement. La déesse Vesta. On continue avec l'oracle de la triade. Commence alors pour les béliers, le présent actuel, la situation actuelle, hein, le présent, là, proche. Par la suite, ce qui se passera, donc l'étape suivante par rapport à cette situation actuelle. Alors, la situation actuelle, le présent, l'avenir proche, le futur, voilà, proche, très très proche par rapport à ces étapes. Là, les blocages, les problèmes, qu'est-ce qu'on doit éviter, à éviter? La solution, hein, pour vous guider. Par rapport à ce message-là. Et on continue avec la synthèse pour le mois de février pour les béliers. On tourne, on découvre la clé. Waouh, la solution. Méditation. Donc là, on y est. Et donc là, c'est le présent, futur. La blocage, c'est la mort, la fin. Blocage ou voilà, point délicat, on va dire. La solution, pénitence. La solution, je veux dire la réponse. Hein. Et la synthèse, bénédiction. Alors, je pense que là. Votre solution, vous l'avez trouvée. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là. La réponse, elle est là, c'est mettre fin. Arrête, mettre fin à cette situation. Mettre fin, faire l'occasion de. C'est un blocage, en fait. Vous n'arrivez pas à passer le cap. À mettre fin. Vous avez la solution, mais vous êtes encore dans l'hésitation, peut-être, de prendre cette décision, hein, parce que on voit parce que si on vous dit que la réponse, si vous mettez à fin, ça va vous rendre malheureux. La solution, la réponse, aujourd'hui, vous l'avez, mais peut-être le blocage, si vous mettez fin, hein, vous prenez la décision de rompre, de rompre, d'en finir, de démissionner peut-être, voilà, quel que soit, de faire. De rupture en fait, hein, une décision de rupture, elle vous rendra, il y aura des conséquences néfastes sur votre mental, sur votre santé mentale. Hein. Vous allez mal vivre cette rupture, hein. Vous allez mal vivre cette rupture. Peut-être c'est inévitable aussi. Hein. C'est un passage, on vous dit, c'est un passage obligé. Vous passerez par une étape douloureuse. Il y aura la méditation. Il faut
prendre son mal avec patience, hein, puisque il y a là, la synthèse, c'est une bénédiction. En fait, c'est un mal, ce malheur, ça sera la solution pour passer à autre chose. C'est une étape douloureuse, mais inévitable, mais nécessaire, je veux dire, inévitable. C'est à vous, on prend toujours une décision. Mais si vous la prenez et que vous dites, voilà, c'est le moment d'en finir, il y a une étape intermédiaire qui sera douloureuse, mais par la suite, vous serez soulagé, vous serez une bénédiction, ben, ce sera l'occasion de passer à autre chose. Vous voyez, là, l'oméga, stop, oméga, la fin, oméga, elle est où l'oméga? Ben, c'est ça. La mort, oméga. Je ne sais plus si c'était ça, oui, mais je vois la forme oméga. Il y avait une autre oméga ou je rêve? Bah, si. Bon. Ah oui, il y a une carte oméga, effectivement. Et ça, c'est la mort, c'est vraiment. C'est la fin. L'oméga, c'est plutôt, ça peut être aussi la fin, bah oui, c'est pareil, hein, l'oméga, c'est la fin d'une étape, la fin d'une page, la fin d'une histoire, pour passer à autre chose. Hein. Là, c'est une bénédiction, on vous dit, bah, il y a le moins l'infini, plus l'infini, il y a le A, il y a l'alpha. Donc, on en finit là, pour passer, il y a des étapes, hein, pour passer à autre chose, pour un autre démarrage. Mais le démarrage, il est dans votre tête, hein. Aussi, il commence à réfléchir. Peut-être là, on commence à. Là, c'est la fin, mais on commence à y réfléchir et à regarder, hein, à se projeter, vous voyez là, avec un nouveau départ, avec une nouvelle. Bah, avoir une carte de sortie, en fait, hein, une carte. Là, aujourd'hui, c'est la réponse, c'est la solution. Pour vous en sortir de, voilà, de prendre l'initiative de rupture. D'accord? On continue avec l'oracle béni pour avoir d'autres messages. Oh, oh, oh. Je disais, hein, Lyon, j'ai ma troisième dose, là, je commence à la sentir. Waouh! Oh, je l'ai fait ce matin, là, je commence à avoir. Waouh! Petite pompe, la tête un peu lourde. Alors, les béliers, trois messages pour le mois de février. Bélier pour le mois de février. Alors, on va découvrir ensemble. Trahison. Entreprise et réussite. C'est marrant, là. Trahison, entreprise et réussite. Ils sont pas. Ouais, là. Alors. Il y a une démarche là d'entreprendre, hein, une démarche d'entreprendre, de réussir, du succès, de créer. Vous êtes dans une démarche d'un nouveau renouveau. Vous voyez là, on est dans l'alpha, nouvel objectif, nouvelle page, hein, de votre vie professionnelle ou amoureuse. Mais. Elle est dans une bonne voie, hein, et peut-être là le fait d'en finir l'entreprise avec votre associé, de passer, d'interrompre cette association, hein, il y a une sorte de conflit, hein, conflit avec quelqu'un ou avec voilà la situation qui n'était pas claire. On vous a, voilà, il y a une trahison, il y a une trahison, je ne sais pas quelle forme. Mais vous allez vous rendre compte que bah, la personne qui était avec vous dans ce projet, la personne ou les personnes, hein,
Bah, vous vous rendez compte qu'il faut il faut en finir avec cette relation, c'est tout, hein. Il faut en finir. Il peut y avoir une jalousie aussi, hein, par rapport à votre succès. Ou on essaye d'en profiter aussi, hein. D'en profiter de votre projet, de vous copier, hein, sur vos idées. Voilà, c'est pour ça que vous allez le vivre comme une trahison. Un ami ou quelqu'un de proche. Peut-être une idée, une créativité, un produit qu'on essaye de vous copier ou de vous voler votre marché. Pour ça, là, c'est douloureux. Vous allez mal vivre cette situation parce que la personne, elle est proche, proche de vous et vous vous rendez compte. Vous allez vous rendre compte de sans projet. C'est une situation très douloureuse que vous allez vivre, parce que inattendu, vous vous attendez pas, vous avez confiance en cette personne. Alors qu'est-ce qui a volé pour vous? Et le lynx s'envoie là. Observation, observez, soyez un peu méfiant, ne soyez pas naïf, hein. Vigilant autour de vous, observez, à la chasse. Alors, quel est le message pour les béliers? Accord, yeah, d'accord. Il y a la paix. Il se peut que aussi il y a une négociation. On trouve un accord à l'amiable, soit pour la rupture, soit pour s'associer. Il y a un accord qui sera fait. Avec une femme. Oh, c'est vous, la femme brune. D'accord. Avec amie. Une femme qui est amie, qui est votre amie, une amitié sincère, c'est possible sincère, ou un accord ou une association avec cette femme, d'accord, qui est très proche. Un contrat signé. Ou une amitié retrouvée avec cette personne, au mois de février. Continuez avec le petit nœud normand pour les lions. Je laisse là. Cette femme, elle était hésitante. Elle hésitait encore à prendre une décision. Elle hésitait et là, elle passe l'action. Ouais, elle hésitait. Elle n'arrive pas. Elle est encore. Elle se pose des questions, hein, mais peut-être vous allez la réconforter pour passer à l'action. Continue avec Bélier. Bélier, le téléphone encore. Le bélier, du mouvement, une chance, du mouvement au niveau travail. Là, il y a du mouvement ou un changement ou déplacement qui va porter ses fruits pour le travail. Ce déménagement, c'est possible aussi. Ça vous porte, c'est une chance, l'occasion au niveau travail. Ce déplacement, si vous avez une proposition ailleurs, une proposition loin de chez vous, loin de peut-être un entretien, loin de votre environnement habituel, c'est une chance.
Lucky, lucky. Voilà. Il se peut aussi des déplacements en vue pour le mois de février. Oui, des négociations, vous voyez, là, on va peut-être signer des contrats. Ça peut, voilà, c'est une chance. De toute façon, il y a vraiment, au niveau professionnel, vous avez de la chance de rencontrer des gens aussi, hein, de faire des rencontres avec des clients, fournisseurs, mais qui vont porter leurs fruits, ces rencontres. Voilà. Beau présage pour le professionnel, domaine professionnel. Continue alors. Le dernier avec l'oracle des miroirs. Waouh! Et la fin pour trois autres cartes. Enfermement. Eh ben, c'est comme non. Voyage. Ah, peut-être une ouverture. Après l'enfermement, il y a un rêve incroyable. C'est comme les lions. Voyage, voyage. Après l'enfermement, il se peut, là, il est possible de soit programmer ou soit vraiment faire un voyage. On a vu le déplacement. Et un voyage de votre rêve. Là, là, le besoin de partir. Le besoin de partir. De planifier un voyage qui vous tient à cœur. On se déplace, hein. On se déplace là au mois de février. Il y a des... Ouais, on bouge. Il y a... Ça bouge. Ça va bouger au mois de février. Pour certains, ça va bouger. Ouais, vous vous êtes senti seul à un certain moment. Il a envie de rencontrer du monde. Ça vous a pesé l'enfermement. Ça pesait à tout le monde, mais là, ça ensemble sur le plan mental. Vous a épuisé. Dernière carte. Quel est le message pour clôturer pour le mois de février pour les béliers? La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Les Capricornes. Eh ben, voilà la fée du Capricorne. Il y a de l'ambition. De l'ambition, puisqu'on voit sur autre chose, on démarre autre chose, mes chers bidules. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ça va un peu répondre ou plus ou moins à vos questions. Et je vous dis merci, merci pour votre fidélité. Bienvenue les nouveaux, hein, et je vous dis ciao, ciao!